3, 4, bonjour. Non, c'était pas rythmé, on le refait tout de suite. 3, 4, bonjour. Non, mais tu fais mal. À chaque fois, tu te foires. Non, on recommence. On recommence une dernière fois, alors. Bonjour. Aujourd'hui, les amis, je suis encore en compagnie de mes deux animaux, je suis encore une fois en compagnie de mon frère et ma soeur. Ça va clairement finir par devenir une chaîne à 3, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on va faire un jeu pour apprendre l'anglais. Est-ce que vous parlez bien anglais? Ça va, bof. Enfin, oui. Mieux que Hugo, en tout cas. Mieux que Hugo, ouais. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Oh, where do you have going to do? Moi non plus, hein. Je sais même pas si ça existe, ce que je viens de dire. What are you doing? What? Quand on te dit what are you doing, tu réponds my name is Hugo. On voit qu'il a quand même un certain niveau LV2. Aujourd'hui, on a un jeu qui s'appelle Memotep, qui nous a gentiment été envoyé. Donc ça sert à découvrir l'anglais en s'amusant. Donc commençons tout de suite. Oh. Ok, bon, là il y a les pièces. Là il y a le terrain avec les cartes. Je mets où ça? Dans ton cul. Non. Vas-y, prenez un personnage. Moi je prends lui parce que le mec a le même corps que moi. Moi je prends lui parce qu'il a de la moustache comme moi. Et des cheveux. C'est vrai que t'as un max de moustache. Hugo, t'as 7 ans, t'as pas de moustache. J'ai pas 7 ans. T'as quel âge? Mais j'ai 22 ans. J'ai 22 ans. Ok, là on a 2 dés, on commence d'ici. Bon, en fonction de combien on fait avec les dés, on avance sur chaque case. Et si par exemple c'est une case rouge, et ben on prend les cartes rouges et je vous pose des questions, ok? Ok. Tu veux commencer? Ouais. Ok. 2 et 2, 4. Est-ce que t'es prêt pour les questions? Ouais, t'es prêt? Chaud patate. T'es chaud patate. Ok, alors Hugo, t'es tombé sur les cartes membres de la famille. Donc je vais te dire des mots et en fonction de combien t'en trouves, on te donne une petite pièce de 1, ok? 3, 2, 1. Comment on dit une mère? Je sais pas. Un père. Je sais pas. Un frère. Je sais pas. Brother. Oh, brother, ok. Une sœur. J'ai plus brother. Enfin. Sister. Oh yes. Un cousin. Je sais pas. Cousin. C'est fini, désolé. Deux réponses. T'as gagné deux jetons. Tiens, hop. 5. Les cartes bleues pour Alexia. Alors logement, est-ce que t'es prête Alexia? 3, 2, 1, go. Une porte. Une door, une clé. Un key. A case. Un appartement. Un appartement. Ouais. Une maison. Home. Non, non. Si, ça marche. En bas. À l'étage. Et c'est perdu. 3 points pour Alexia. 3 jetons. Vas-y, à moi. C'est moi qui te dis. Hein? Mais non, mais tu sais pas lire. Donc. 6. Carte rouge. Par contre, attendez, si vous me battez, je sors pas cette vidéo. 3, 2, 1, go. Un homme. A man. Une femme. A woman. Un bébé. A baby. Un garçon. A boy. Une fille. A girl. Un enfant. A kids. Non. A child. Un adolescent. Attends, bouge pas. Un adolescent. Mais si, ouais. Dis rien. Un adolescent. A teenager. Ouais. Oh, adulte. Un adulte. Ouais. Je sais plus. Une personne âgée. Old. Stop. Ok, donc j'ai eu 4, 5, 6. Ok, j'ai fait 6. Eh, je suis chaud. Non. Ok, Hugo, est-ce que t'es prêt? Ouais, mais le. Attends, mais tu veux pas réussir toi? Un roi. King. Ouais, une reine. Kung. Quoi? Kung. Kungs, ouais. Un prince. Prince. A prince, oui. Une princesse. Princess. Oh. Un château. Une armure. Armure. Et c'est fini. Tu as donc gagné 3 points. Jaune, ok. Et jaune qui nous rappelle la couleur des dents d'Hugo. Un temple. Un temple. Ouais. Un panthéon. Un panthéon. Ouais. Une église. Une église. Non, un prêtre. Un prêtre. Mais je sais pas, moi. Non. Comment veux-tu que je sache ça? Une mosquée. Une mosquée. Mais non, mais moi je sais rien. Oui, c'est ça. Une synagogue. Une synagogue. Mais oui, mais en fait c'est trop simple. Donc t'as eu 4 points. Ok, 3, 2, 1. 8. 44. 44. 600. 600. 1240. 1250. Non. 3000. 3000. 8000. 8000. C'est fini. 4 points pour Timothée. Maintenant, je vais vous montrer la version kids de Memotep qui se joue avec une application. Et franchement, je pense que vous allez halluciner. Donc avec ce jeu de plateau en réalité augmentée, tu vas faire tes premiers pas dans la langue de ton choix. Réunis tes animaux préférés et les objets de ton quotidien pour remporter la partie et débloquer les animations 3D. Là, en gros, il y a toutes les langues. Toi, Hugo, je sais que tu parles couramment le polonais. Vas-y, parle polonais vite fait. Alors, quelle est la folie? Oui, mon bou, paquet, fou, la folie. Moi, je. Ça fait un peu chic que ce soit mon frère, quoi. Je te le dis. Je rigole!
Ok. Bon, on s'en fout. Ça. Les amis, ce jeu se joue avec une application de réalité virtuelle et franchement, bah c'est du lourd. Ça va, t'es cool. Le départ, c'est ici. On a un dé. En fonction de combien on fait, on va aller par exemple sur la case bleue. La case bleue qui est. La case bleue qui est forcément les cartes bleues. Et en gros, on va piocher une carte pour vous. On va vous dire ce qu'il y a sur la carte. Et si vous trouvez, bah vous aurez le droit de voir l'objet qu'il y a sur votre carte en réalité augmentée, ok? 5. Ok, vas-y. Vas-y, ok, une bleue. Hugo, comment on dit un jus? Un jus d'orange. Non, pas du jus d'orange. C'était Joyce. Alexia, comment dit-on 10? 10. Bravo! Regardez-moi, est-ce que le 10 va marcher? Oh, trop classe! Quoi? Bah j'ai le 10 dans ma main, tu vois. Et bah écoutez, c'est plutôt stylé, j'ai un 10 dans la main. C'est très joli. À mon tour. Comment dit-on une fille? Girl. Ouais. Nickel, faisons apparaître une fille. C'est vachement pratique ça si t'as pas de meuf. Ok, attention, est-ce que la fille va apparaître? Oh! Elle est là, je l'ai dans ma main. Mais c'est trop stylé, regarde. Mais mec, on dirait la fille dans Nemo. Une photo juste ici. Comment on dit une clé? Ah, oh, attention, ouais. 3, 2, 1. Waouh. Bah la clé vole au-dessus de moi. Vas-y, attrape-la, Hugo, attrape-la. Yes. Sors. Bref, les amis, on va s'arrêter là. Franchement, c'est grave cool comme jeu. Juste avec l'application, on peut faire apparaître plein d'objets, plein d'animaux en réalité augmentée. Voilà, comme par exemple une patate. Et c'est plutôt cool. N'hésite pas à mettre un énorme pouce en l'air. À combien de pouces bleus vous revenez? 120 000. Ouais, 120 000. 120 000. Eh ben écoutez, à 120 000 pouces bleus, ils reviennent. Mais cette fois-ci, je ferai un truc de ouf avec eux. On ira dans la forêt à la nuit ou un truc comme ça, tu vois. Mais n'hésite pas à mettre un énorme pouce bleu et propose une idée de vidéo dans les commentaires que tu veux que je fasse avec eux. Et en attendant, je vous dis merci et à la prochaine, c'était Team Hugo et Alexia. Bisous. Goodbye. Have a nice day.